Bonsoir. Je tenais à vous remercier d'être avec nous ce soir. Je tiens à remercier également Sylvie Astric et Emilia H qui ont conçu et programmé ce cycle de 3 conférences. Donc une première conférence ce soir consacrée à littérature et écologie. La seconde conférence dans un mois, le 14 mai, sur écologie et féminisme. Et une dernière séance le 2 juin sur la justice environnementale. Vous rappelez que vous retrouverez aussi un certain nombre de livres sur l'écologie, des intervenants invités et d'autres dans le salon de valorisation de la bibliothèque. Et je tiens à remercier également Pierre Charbonnier qui va animer cette séance, qui est donc chercheur au CNRS, philosophe, qui consacre ses travaux à nature et société, mais plus particulièrement à la crise environnementale. Donc, je lui laisse la parole et le plaisir de présenter nos deux intervenants. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. À mon tour, je remercie toutes les personnes de la Bibliothèque publique d'information pour l'organisation de cette série de conférences et surtout Emilia H qui a été à l'initiative de ces conférences. Et alors, avant de donner la parole aux deux réel conférencier, donc Emilia H. Bertranguet, je voulais donner quelques éléments d'introduction générale et puis présenter deux personnes. Donc Emilia H. est philosophe, maître de conférences à l'université Paris-Ouest-Nanterre. Elle travaille depuis de nombreuses années sur les enjeux philosophiques des questions environnementales. Elle a publié en 2010-11. Dans les années 2010, ce à quoi nous tenons, proposition pour une écologie pragmatique. Puis elle travaille actuellement à un recueil sur le rapport entre écologie et féminisme. Bertrand Guest, à ma droite, vient de soutenir une thèse brillamment en littérature comparée. Il a travaillé sur les rapports entre littérature et, enfin, on va dire sur les écritures de la nature au 18e et 19e siècle. Donc sur Humboldt, Élisée Reclus et Sorau. Donc c'est à eux deux qu'il reviendra de vous expliquer ce qu'il en est réellement des enjeux littéraires de l'écologie. Bon, moi je voulais simplement donner quelques éléments de réflexion un petit peu générale avant de démarrer. Rappeler un petit peu quelques éléments de contexte sur cette crise écologique. Alors, je pense que depuis 30 ou 40 ans, sociétés modernes, industrielles, sont de plus en plus exposées à un discours scientifique et technique au sujet de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler crise environnementale. Et nous nous sommes habitués à quelque chose qui finalement a été assez nouveau, qui a été l'irruption de la science dans notre quotidien. La science a de plus en plus fait les gros titres des journaux, comme le rappelait il y a déjà plus de 20 ans Bruno Latour, dont nous n'avons jamais été modernes. Et la science est arrivée comme un pouvoir de prescription, comme une source d'alerte, mais aussi comme l'origine de très nombreuses controverses sociales. Et pourtant, cette crise environnementale, je pense qu'elle suppose aussi que nous sachions développer une autre forme d'attention au monde que celle de la science, qui, elle, n'est qu'une forme de connaissance parmi d'autres, la littérature, la philosophie, en étant d'autres. Alors, au regard de la crise écologique, la science revendique très souvent un pouvoir et parfois même un pouvoir exclusif. Ce pouvoir, ce serait celui d'identifier et de résoudre cette crise. Pourtant, on peut considérer que cette crise n'affecte pas seulement les taux d'émission de carbone, la salinité des océans, les températures mondiales ou les niveaux de radiation autour de Fukushima. Cette crise environnementale, elle affecte aussi, plus largement et plus profondément, la façon dont des sociétés, des hommes, se rapportent au monde à l'intérieur duquel ils vivent. Cette crise affecte la façon dont nous construisons l'image de ce monde. Autrement dit, si la fiction peut quelque chose face à la crise écologique, comme le suggère le titre de la conférence de ce soir, ça n'est pas au même sens que la science. Ce n'est pas au sens d'un pouvoir d'intervention matérielle découlant d'une vision experte et quantifiée des phénomènes contemporains. Dans ce sens-là, le récit ne peut pas être considéré comme un rival de la science. Contrairement à ce qu'on pourrait penser si on s'en remet à une opposition un petit peu simple entre les vertus rationnelles de la science et les vertus sensibles de la littérature, ou entre le critère de vérité qu'aurait la science et le critère de beauté qu'aurait la littérature. Ce genre de distinction, à mon avis, s'estompe quand on essaie de réfléchir au rapport entre le discours scientifique,
le discours philosophique, le discours des sciences sociales et le discours littéraire sur la crise environnementale. La production de récits, la production d'histoire, détient un pouvoir qui lui est propre, un pouvoir différent de celui de la science, car elle permet d'associer dans une même trame l'expérience des hommes et le destin des choses, l'administration des choses. Alors, il faut se souvenir que ces rapports entre le récit et l'image du monde ont une très longue histoire. À l'époque des grandes révolutions scientifiques, puis la fin du XVIe siècle, XVIIe, puis XVIIIe siècle, les physiciens, les astronomes et plus tard les biologistes ont très souvent déployé des ressources narratives pour exposer leur savoir. Si on pense à Kepler, puis à Descartes au XVIIe siècle, on trouve des gens qui racontent des fables sérieuses où la rigueur expérimentale n'exclut pas la possibilité d'employer le mode de la fiction. Au XVIIIe siècle, les entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle sont un récit savant. Plus tard encore, au plein cœur du XIXe siècle, L'origine des espèces de Darwin peut être lu comme un roman. Et les ouvrages sur lesquels Bertrand Guest a travaillé dans sa thèse rentrent absolument dans cette catégorie-là. Le Cosmos de Humboldt, c'est une œuvre scientifique et littéraire, sans qu'il soit possible de distinguer ces deux aspects. Alors, le brouillage de cette frontière entre le savoir et le récit s'explique, à mon sens, en partie par le fait qu'on a très souvent ressenti la nécessité de faire des vérités scientifiques, des vérités qui importent, des vérités qui comptent, qui affectent la vie des gens, le destin des sociétés. Et ce rapport entre on peut dire, le pouvoir de vérité de la science et le récit de la littérature n'a évidemment pas toujours été innocent, pas souvent innocent. Par exemple, que l'on pense au développement des technologies nucléaires et à la conquête de l'espace, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, en contexte de guerre froide, les récits liés à ces découvertes scientifiques ont pris une charge idéologique essentielle en contexte de guerre froide. Alors, néanmoins, aujourd'hui, cette association du récit et de la science a perdu de sa vivacité. La science, naturellement, continue à produire des récits de vérité, mais ceux-ci font moins souvent l'objet d'une réappropriation par les profanes, par ceux qui sont affectés par ces récits de vérité. Discuter de la science est devenu souvent difficile, parfois même scandaleux. Au fond, l'une des raisons principales de ce déclin de l'imaginaire populaire autour de la science tient au fait que la science a été professionnalisée, elle a été prise dans une responsabilité de plus en plus dramatique qui a érodé, si on veut, sa capacité à nourrir une image collective, une image sociale du monde. Et pourtant, le contexte de crise environnementale rend à mon sens à nouveau nécessaire une alliance entre différentes formes d'attention au monde, entre différentes formes de vérité. Hier a été publiée la dernière version, en tout cas la troisième partie de la dernière version des rapports du GIEC, et peut-on s'interroger sur le genre de texte que sont les rapports du GIEC. Ce sont des textes très particuliers parce qu'ils allient un discours tout à fait positiviste, en régime de scientificité très classique, ce sont des mesures, des graphes, des quantités, et puis notamment la troisième partie qui a été publiée hier, relève d'un genre qui est un avis complètement différent, puisque c'est ce qu'on pourrait appeler, enfin ce que moi j'ai l'habitude d'appeler, une histoire du futur. C'est-à-dire qu'on raconte l'histoire de ce qui va se passer. Donc là, le pouvoir de prescription scientifique est profondément en fait, indissociable d'une mise en récit, d'une mise en fiction, hein, sur le mode du possible, de ce qui arrivera si l'on ne tient pas les règles promises, si on les tient, etc. On fait des scénarios. Un scénario, rien de plus fictif. Alors en tout cas, l'ambition de nouer des liens entre science et récit, entre philosophie et récit, se poursuit sous très nombreuses formes aujourd'hui, et les deux interventions qu'on va entendre tout de suite en sont deux exemples. Alors, ce sera d'abord l'exemple de la science-fiction avec Émile Yache, qui se donne pour objectif d'expérimenter des possibles humains et scientifiques à la fois, et puis de l'autre côté, c'est ce dont parlera Bertrand Guest, le cas des réactions littéraires, en tout cas dans le monde de l'écriture, après la catastrophe nucléaire de Fukushima de 2011. Dans ces deux cas, la question de ce que signifie habiter un monde peut être reposée, de manière, à mon avis, assez profonde. Donc, je passe la parole tout de suite à Émile Yache. Merci. Merci beaucoup, Pierre, pour cette introduction. Alors, moi, je vais tout de suite partir, en fait, d'une définition sinon classique, du moins il me semble commune
On pourrait se donner comme commune de la science-fiction pour commencer à vous expliquer pourquoi aujourd'hui, il me semble que c'est une des entrées, effectivement, comme l'a dit Pierre, par laquelle on peut tout à fait réfléchir de manière extrêmement sérieuse aux enjeux de cette crise écologique, à savoir que les récits de science-fiction opéreraient un travail de prolongement d'hypothèses contenues dans notre monde actuel. C'est souvent, on pourrait dire, une définition possible très sommaire, dans un premier temps, de ce que pourrait être la science-fiction. Un travail de prolongement d'hypothèses contenues dans notre monde actuel concernant ces devenirs possibles. Dans ces récits de science-fiction, là, pour l'instant, je ne les distingue pas, vous verrez que je vais en parler de certains en particulier, des mondes sont construits dans lesquels certains possibles de notre monde actuel sont devenus réalité, et ces récits s'intéressent, on pourrait dire, aux manières que ces possibles vont avoir de modifier les relations qui composent nos mondes, c'est-à-dire aussi bien leur organisation sociale que on pourrait dire l'éthologie même des êtres qui l'habitent, c'est-à-dire aussi leurs valeurs ou leur culte. Et c'est même à partir de cette toute petite définition, me semble-t-il, que la science-fiction prend toute son importance pour les sciences humaines et en particulier pour la philosophie qui m'importe. Et pour le faire comprendre, je voudrais partir d'une question qui est posée par une philosophe que j'aime beaucoup, qui est une philosophe belge qui s'appelle Isabelle Stengers, et qui pose la question suivante dans un de ses textes. Est-ce que finalement ce que fabrique la science-fiction ne devrait pas être le travail même des chercheurs en sciences humaines, en sciences sociales ou historiques? Alors, dans quel sens elle dit cela? Elle le dit au sens où nous sommes habitués à ce que les sciences expérimentales inventent des nouvelles questions, des nouveaux problèmes, découvrent des nouveaux êtres, fabriquent des nouvelles techniques, élaborent des nouveaux savoirs, bref, que les sciences expérimentales soient du côté du processus créatif, d'un processus de création. Tandis que les sciences humaines semblent plus coupées de l'invention et ne tirer finalement leur légitimité que de processus d'explicitation, d'interprétation et de critique, mais pas d'un processus en tant que tel créatif. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi finalement notre société moderne a été radicalement bouleversée depuis un certain nombre de siècles par des techniques nouvelles, mais finalement peut-être pas tant que ça par l'exploration de manières nouvelles de faire groupe ou de manières nouvelles de penser ensemble, d'habiter ou de désirer. Or, cette exploration du réel, de nouvelles manières de sentir, de percevoir, d'évaluer, c'est, il me semble, ce que font précisément les récits de science-fiction, raison pour laquelle je suivrai ici, une façon de les qualifier pour la philosophie, à savoir que les récits de science-fiction seraient des formes d'expérience de pensée pour les sciences humaines, au sens où, on va dire que les sciences expérimentales font des hypothèses et vont les tester en laboratoire, même si parfois le laboratoire devient notre monde à nous, enfin le monde de tout le monde, eh bien les sciences humaines, à défaut peut-être de le faire parfois elles-mêmes, me semblent pouvoir trouver, et c'est en tout cas mon cas, dans la science-fiction, l'élaboration d'hypothèses que parfois les sciences humaines ne s'autorisent pas à faire, et leur mise à l'épreuve littéraire, si on peut dire ça comme ça. Et de fait, face à la crise écologique, il me semble que certains, en tout cas, peut-être pas tous, mais certains de ces récits nous aident à faire un pas de côté au regard de la tyrannie du présent, qui est évidemment accrue par le caractère tout à fait urgent de cette crise écologique, et nous permettent de nous autoriser aussi, on pourrait dire, à redonner toute son importance à l'imaginaire, d'en faire une ressource absolument essentielle, pas simplement comme un à côté ou comme une forme de loisir, mais absolument essentielle pour penser de manière politique, au sens large, ces questions-là. Alors, je vous le disais, il ne s'agit pas pour moi de... Enfin, pour l'instant, en tout cas, je ne m'intéresse pas à toute forme de science-fiction, parce que je ne m'intéresse pas non plus à toute forme de, on pourrait dire, de prolongement d'hypothèses ou d'avenir. Il ne s'agit pas impossible ne me semble pas intéressant du fait simplement qu'il soit possible, ou un devenir simplement parce qu'il est en devenir, mais je m'intéresse à certains d'entre eux, pour le dire autrement. Une imagination du pire ne m'intéresse pas tant que ça, au sens où il me semble qu'on n'a pas tellement besoin de compétences narratives particulières, voire d'imagination pour cela. De même, à l'inverse, finalement, qu'une imagination de tout va bien aller, que ce soit dans une version, on pourrait dire, high-tech ou low-tech.
Et il me, enfin, en tout cas, les propositions narratives auxquelles je m'intéresse sont celles qui vont engager un rapport critique à la situation actuelle et dans lesquelles les jeux ne sont pas faits, pour le dire de cette façon-là. Hein. Dans lesquelles on ne considère pas savoir à l'avance, que ce soit dans une version positive ou dans une version optimiste, dans une version un petit peu désespérée, ce qui fera événement et la façon dont ça va se passer. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je m'intéresse tout particulièrement à la science-fiction, à certains récits de science-fiction féministes. Pourquoi ? Parce que j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous, peut-être, ils sont sensibles aussi, parce que du fait d'un rapport critique à l'égard du monde dans lequel nous sommes, les féministes n'abordent souvent pas cette crise écologiste. Les féministes ici, qu'elles rêvent de la science-fiction, qu'elles soient en philosophie, hein, n'abordent pas cette crise écologique, on pourrait dire, de la même façon que le ferait une approche, on pourrait dire, mainstream ou dominante, au sens où il ne s'agit pas de penser, on pourrait dire, cette crise à partir de la perte d'un monde qui nous serait tout à fait sympathique, d'un monde parfait, mais plutôt de faire justement un pas de côté par rapport à cette version-là, on pourrait dire, ou ce rapport-là au monde, c'est-à-dire d'aborder cette crise à partir d'une situation dans laquelle ce monde n'est pas forcément non plus tout à fait satisfaisant. Hein. C'est-à-dire d'aborder encore une fois cette crise écologique à partir d'une situation déjà problématique, déjà critique, ne considérant pas par là du tout que cette crise pourrait être souhaitée, bien sûr, ou que même qu'une approche féministe postulerait que tout changement serait nécessairement meilleur que la situation actuelle. Parfois, on entend ce genre de choses, à savoir que finalement, cette crise écologique pourrait être une opportunité. Et il me semble que ce n'est pas du tout ce que pensent les féministes, notamment parce qu'elles savent que les premières qui vont pâtir de toute forme de dégradation seront souvent les femmes. Mais simplement, que cela permettrait, on pourrait dire, d'aborder cette crise à partir à la fois d'un petit peu d'humour, de choisir aussi et d'aborder cette crise à partir de la nécessité d'essayer de construire des formes d'espoir consistants. Et c'est notamment, vous allez voir, les deux nouvelles dont j'aimerais vous parler, me semblent mettre à l'épreuve précisément cette chose-là qui compte beaucoup pour elle, à savoir de faire preuve, on pourrait dire aussi, d'une extrême précaution vis-à-vis, encore une fois, de toute forme d'optimisme, on pourrait dire, devant cette situation de crise, encore une fois, que l'on pourrait, pour certains, considérer comme une forme d'opportunité. Donc j'aimerais au moins vous raconter vous faire un petit résumé de deux récits. Si j'ai le temps d'en parler d'un troisième, je l'aurai pas, mais on verra. En tout cas, de deux récits qui me semblent très intéressants pour nous. Le premier est celui de Octavia Butler, qui est une écrivaine de une écrivaine de science-fiction américaine et qui a écrit notamment un livre qui s'appelle La parabole du semeur, voilà, vous avez en fond d'écran. Et puis une nouvelle d'une autre grande écrivaine américaine de science-fiction qui s'appelle Ursula Le Guin. C'est une toute petite nouvelle qui se trouve dans ce recueil-là qu'on a du mal à trouver, mais que j'avais trouvé. Et une petite nouvelle qui s'appelle Sourd. Alors, je ne parle pas du tout espagnol, mais si je ne me dis pas de bêtises, ça veut dire sud en espagnol, et vous comprendrez pourquoi par la suite. Et ces deux récits, me semble-t-il, élaborent deux façons distinctes de poser le problème de cette crise écologique et aussi d'y répondre. Mais deux façons qui, toutes deux, cherchent, on pourrait dire, à affronter cette crise écologique sans perdre espoir, mais en cherchant au contraire à prendre très au sérieux le fait de la grande importance de fabriquer un espoir par rapport à ce qui peut se passer. Alors, dans la parabole, dans la parabole du semeur, Octavia Butler raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lauren Oya Olamina, qui est une jeune fille noire californienne de 15 ans. Ça se passe en 2020, donc c'est extrêmement proche. Le texte date des années 90, donc c'est évidemment, on est encore plus proche, mais cela dit, elle avait choisi un temps vraiment très proche de nous. Hein. Donc, c'est l'histoire de cette jeune fille qui habite dans ce monde qui est extrêmement proche d'une autre, pas seulement temporellement, mais également dans ses formes, c'est-à-dire que c'est un monde qui est décrit comme un monde ultra-capitaliste, en train de se déliter, qui est prêt à exploser du fait de, même, on pourrait dire, de son écartèlement entre une très grande pauvreté et une très grande richesse. Et le début de ce livre passe par la préparation vraiment littérale de Lorraine à l'effondrement possible
de sa communauté en réfléchissant à ce dont elle pourrait avoir besoin si jamais cela arrivait, si jamais elle avait besoin de fuir sur de fuir de cette communauté. Et donc on la voit essayer de réfléchir au sac qu'elle devrait préparer tout en se cachant de ses parents qui comprendraient finalement trop bien peut-être, mais justement ne supporteraient pas le fait qu'elle ait cette si grande conscience de du danger qui peut la guetter. Et lorsque sa communauté s'effondre, attaquée finalement par les plus pauvres d'entre les pauvres, et que Lorraine perd presque toute sa famille, qui a été tuée comme une grande partie de sa communauté, elle se retrouve effectivement sur une route, sur l'autoroute 118, à pied au milieu de centaines et de centaines d'autres personnes, genre d'image qu'on n'a pas forcément des États-Unis, d'autres pays, mais qui de fait effectivement est impossible malheureusement parmi d'autres. Et donc au milieu de ces centaines de personnes, elle fuit avec ces derniers vers un hypothétique ailleurs, au risque pour chacun évidemment de leur vie, puisqu'ils ont souvent à confronter un certain nombre de bandes ultra-violentes qui essaient de dépouiller les peu de choses qu'ils ont pu garder avec eux. Et sur cette route se recrée progressivement un petit groupe qui est le début d'une nouvelle communauté qui va prendre forme dans les trois dernières pages, non pas du livre, mais en tout cas du tome 1, où ils vont commencer un petit peu à construire une communauté. Pour l'instant, en tout cas, je voudrais parler que de ce tome 1 pour différentes raisons sur lesquelles on pourrait revenir plus tard, mais restons-en ici à ce tome 1. Et quand vous lisez en tout cas ce livre-là, qui est évidemment extrêmement sombre, aussi étrange que cela paraisse, et c'est ça qui m'intéresse ici, il me semble que ce roman fabrique, au sens, on pourrait dire même littéraire du terme, ou narratif du terme, je ne vais pas demander plus à Bertrand qui est plus spécialiste que moi de l'acception de ces termes, mais que ce roman fabrique littéralement de l'espoir. De quelle façon? En tout cas, c'est la façon dont moi je l'ai compris. Eh bien, cet espoir, pour qu'il ne soit pas simplement, on pourrait dire, une pétition de principe, qu'il ne soit pas simplement présenté de manière extrêmement abstraite, tient à ce que l'héroïne, qui affronte cette crise dans ses pires aspects, est une très jeune fille qui a compris que le monde de ses parents, c'est-à-dire le nôtre, que notre monde est terminé et qu'au lieu de s'accrocher à lui, cherche par ses propres moyens à en inventer un nouveau. Autrement dit, on pourrait dire aussi peut-être paradoxal que ça peut paraître dans un premier temps, la consistance, la crédibilité, on pourrait même dire quand vous lisez ce roman-là, de cet espoir, réside dans le fait qu'il ne tient pas à nous, finalement aux lecteurs qui sont en train de le lire, sauf si peut-être ils ont 15 ans. Ce qui, dans un premier temps, est évidemment troublant, mais ce qui aussi, me semble-t-il, s'avère le prix à payer, précisément pour sa crédibilité, au sens où on peut dire l'histoire de Lorraine nous fait faire l'expérience d'un autre point de vue sur notre monde, mais qui ne communique pas finalement avec on pourrait dire l'expérience de la fin d'une autre, mais aussi étrange que ça puisse paraître, lui offre précisément un avenir, à savoir que d'autres après nous, malgré le monde qu'on est en train de leur laisser, rêvent encore. Et alors de même que ces fabulations spéculatives, comme appelle une autre philosophe américaine, Donna Haraway, ces récits de science-fiction féministes, construisent des façons divergentes des positions dominantes d'entrer dans cette crise, il me semble qu'elle cherche à mettre au travail aussi des façons un petit peu différentes d'y répondre, qui cherche, j'en parlais au tout début, aussi bien à résister, on pourrait dire, aux chimères de solutions high-tech ou low-tech qu'aux fantasmes, finalement, de fin du monde. Et que c'est cette position d'entre-deux qui m'intéresse, parce qu'il me semble qu'elle nous oblige à ralentir, et aussi qu'elle témoigne, on pourrait dire, du fait que cette crise, dans ce type de récit, n'est pas pensée du dehors. C'est-à-dire, comme c'est parfois le cas dans des récits de science-fiction, mais comme c'est parfois le cas aussi dans des textes de sciences humaines sur la crise écologique, que les auteurs de ces récits de science-fiction semblent concernés par les conséquences possibles de cette crise et sont en cela évidemment beaucoup plus intéressés à essayer de fabriquer encore une fois un devenir possible que d'annoncer, on pourrait dire un peu parfois de manière un peu irresponsable, la fin de ce monde. On a commencé, à mon sens, à voir avec ces quelques résumés ou quelques phrases sur ce roman d'Octavia Butler, cet entre-deux, et vous l'avez compris, il n'y a aucune utopie finalement dans ce roman, puisque finalement, après avoir commencé par décrire, je vous le disais, à la fin de ce premier tome,
l'émergence d'une communauté, tout le second roman, pour ceux qui l'ont lu le savent, qui s'appelle La parabole des talents, raconte sa destruction. Et de fait, effectivement, dans un monde en crise tel qu'il était décrit, il était difficilement crédible, même d'un point de vue narratif, d'imaginer que la communauté constituée par Lorraine allait perdurer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est d'une certaine manière le fait de résister à la tentation de se réfugier dans cette idée un peu trop vite, un peu trop belle peut-être d'une réussite de cette communauté. Il me semble que c'est aussi une façon pour cette écrivaine de nous dire de ne pas rêver trop vite finalement à des hypothétiques possibles de cette crise actuelle et de rappeler que comme finalement peut-être à chaque fois que le chaos est installé, il est très difficile d'en sortir et que le prix sera forcément très, très lourd. Alors, si le roman d'Octavia Butler prolonge clairement de manière très proche d'une autre notre présent, hein, son ultra-capitalisme, son gouvernement de plus en plus sécuritaire, l'autre texte dont je voulais vous parler, la nouvelle d'Ursula Le Guin, s'ouvre, pour ceux qui, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais ça n'indique pas du tout directement sur la crise actuelle, vous allez le voir, mais il me semble qu'elle y répond par un détour tout aussi heuristique et dépaysant et très intéressant pour nous. Et j'avais envie de partager aussi un tout autre type de récit ce soir. Je vous raconte rapidement l'histoire. C'est pour le coup une très courte nouvelle, contrairement au texte d'Octavia Butler. C'est une courte nouvelle qui est beaucoup plus ancienne, enfin qui est antérieure, qui date de 67. Cette nouvelle raconte la chose suivante. Au début du XXe siècle, et vous allez voir que ça a un rapport quand même avec ce qui nous intéresse ce soir. Au début du XXe siècle, 9 femmes sud-américaines décident de faire une expédition au pôle sud, qui, au moment du début de cette nouvelle, n'a jamais été encore atteint. Et pour pouvoir mener à bien leur projet, les unes racontent à leur mari qu'elles vont faire une retraite religieuse en Bolivie, et les autres qu'elles vont visiter Paris. Et ainsi, elles partent pour un voyage de 6 mois au nez et à la barbe de ces derniers, en ayant trouvé un financement d'un mécène qui approuvait leur expédition. Donc elles ont loué un bateau, elles se sont fait débarquer au pôle sud, et puis le bateau viendra les chercher d'ici quelques semaines, le temps qu'elles fassent cette expédition. Ces aventurières ont évidemment largement organisé en amont leur expédition, elles se sont formées aux différents métiers qui étaient requis et une fois qu'elles sont sur place, elles se répartissent en 3 groupes pour l'ascension à proprement parler du pôle sud puisque ce dernier se situe à 2800 mètres d'altitude. Et en décembre 1909, écrit Ursula Le Guin, c'est-à-dire 2 ans avant la première expédition norvégienne historique telle qu'on la trouve dans les livres d'histoire, un des 3 groupes de ces aventurières, effectivement, atteint ce pôle sud. Le retour de ces dernières est très dur. Certaines laissent un de leurs doigts ou un bout de pied gelé. D'autres s'y brûlent les yeux. Mais malgré tout, l'expédition est un succès. Et pourtant, ces héroïnes décident de ne pas la rendre publique et de ne garder la mémoire de cet exploit qu'à travers les récits qu'elles vont en faire à leurs enfants et à travers des notes de récits de journal intime qu'on est censé lire quand on lit la nouvelle. Il y a, quand vous lisez cette toute petite nouvelle, une force absolument incroyable que de refuser, vous l'avez entendu tout, dans un premier temps, hein, de finalement d'hériter uniquement d'histoires finalement d'échecs ou de domination. Ursula Le Guin dans cette petite nouvelle me semble construire, on pourrait dire, une sorte de possible borgésien au sens où par le refus de ces femmes de publiciser leur exploit, en effet, vous l'avez compris, rien ne permet de dire que cette expédition n'a pas eu lieu puisqu'elle n'a jamais été publicitée du fait, encore une fois, voilà, qu'elle n'a pas été rendue publique. Et ici, bien évidemment, quand vous lisez le texte, c'est tout à fait... il y a beaucoup d'humour aussi. En fait, clairement, Le Guin s'amuse à réécrire, on pourrait dire à écrire une version féministe du mythe patriarcal par excellence de la conquête. Ici, ce sont 9 femmes sud-américaines qui décident de faire donc l'ascension d'un pôle qui n'a pas encore été atteint par des hommes. Mais comme le dit l'une d'entre elles, si le capitaine Scott peut le faire, pourquoi pas nous ? Il y a une sorte de liberté de culot de ces femmes qui est tout à fait communicatrice, enfin qui est très émancipatrice et qui communique très bien avec une très grande joie.
Mais la dimension féministe de ce récit ne réside, à mon sens, pas seulement dans le fait que ces héroïnes soient toutes des femmes, mais aussi, et vous allez voir pourquoi je vous raconte cette histoire-là ce soir, mais dans la façon dont ces dernières réinventent la façon même de mener une telle expédition. Alors, vous l'avez entendu, d'une part en refusant de s'en laisser déposséder par la science et par le progrès, au nom desquels se font généralement ces expéditions, hein, donc au point de ne pas laisser de traces, c'est-à-dire tout simplement qu'elles n'ont pas été plantées de drapeaux, contrairement à n'importe qui y va en disant « je vais mettre mon drapeau », on ne met pas du tout de drapeau, on s'en fiche. Mais aussi en refusant de faire passer cette aventure au-dessus de tout, puisqu'au départ, elles n'étaient pas neuves, elles étaient plus nombreuses, mais certaines ont dit « bah, oui, mais moi j'ai un parent malade et je n'y vais pas », mais aussi encore en faisant attention aux conséquences éventuelles de cette expédition sur leur environnement. Et il y a des pages évidemment où elles, très ironiques, où elles racontent parce qu'il y a eu d'autres expéditions mais qui n'ont pas abouti avant elles, mais qui ont laissé plein de déchets, enfin voilà, en disant, mais c'est vraiment dégoûtant. Et Le Guin écrit que le ménage, évidemment elle l'écrit avec beaucoup d'humour mais aussi avec beaucoup de sérieux, cet art de l'infini, c'est la seule définition que j'ai trouvée du ménage domestique et j'étais très contente, le ménage, cet art de l'infini n'est pas un jeu pour les amateurs. Voilà. Et cette fiction se situe évidemment en amont de cette crise écologique qui nous réunit ici, mais il me semble qu'elle communique aussi d'une certaine façon avec l'avenir de cette dernière, au sens où Le Guin ici fabule une autre façon d'habiter ce monde qui n'exclut pas toute forme d'ambition ni d'exploration, mais évidemment qu'il les repense ou les reformule sur un mode non destructeur et non prédateur. Alors est-ce qu'il faut ici parler d'utopie ? Il me semble que le fait que les protagonistes aient décidé de ne pas rendre publique cette expédition et donc on pourrait dire ne cherchent pas à changer le système ne va pas dans ce sens. Mais en tout cas, le fait que précisément ce ne soit pas sous la forme d'une utopie, c'est-à-dire précisément que, encore une fois, le fait que ce récit n'ait pas été rendu public, permet à ce que cette fabulation, finalement, fasse partie de notre monde, que l'on pourrait finalement ajouter à ces nombreuses histoires qui ne sont pas répertoriées et dont l'exhumation pourrait participer à transformer notre avenir. Alors, que peut la fiction face à la crise écologique ? Parmi les choses que la fiction pourrait apporter, hein, c'est vraiment une chose parmi d'autres, il me semble que ces deux récits notamment posent la question de savoir quelle forme on pourrait dire de bravoure nous avons besoin, quelle forme de courage, quelle forme d'ambition aussi, et à cette question évidemment ouverte, elles en apportent un certain nombre d'éléments, à savoir le fait par exemple de cultiver on pourrait dire une forme de confiance en soi, qui se nourrit aussi bien de notre peur de l'avenir que notre besoin d'espoir, ou une confiance en soi qui se nourrit aussi bien de notre colère que de notre besoin de joie et d'attention. Et de même peut-être qu'il importe de cultiver une mémoire des conflits écologiques passés, afin de résister à l'idée qu'on ne pourrait rien faire, et à l'idée aussi qu'on n'aurait rien fait, ce qui est faux. Il me semble qu'il y a un enjeu, on pourrait dire, pour moi en tout cas tout à fait politique, à se laisser affecter, c'est-à-dire aussi transformer par ce type d'histoire c'est-à-dire on pourrait dire aussi qui viennent peupler autrement notre imaginaire, notamment notre imaginaire écologique qui lui est très souvent, on pourrait dire même squatté par des horizons productivistes, technophiles, machistes, hein, que ces fabulations ici sont incarnées par des femmes et par des hommes qui sont puissants, mais qui cultivent un type de puissance responsable et située, et qui vient évidemment nourrir un petit peu différemment ce conflit. Et qu'à l'instar du conte de Kepler, dont parlait notamment Pierre tout à l'heure, hein, qui, il vous le rappelait, fut contemporain, voire co-inventeur du passage d'un monde clos à un univers infini, un des enjeux pour moi, en tout cas, de la science-fiction féministe pour les sciences humaines, ça serait d'accompagner, c'est-à-dire de nous faire véritablement éprouver le passage inverse d'un univers illusoirement infini à un monde fini, mais sans fermer les possibles, sans perdre espoir et sans perdre toute joie, finalement. Voilà. Alors, merci beaucoup, Émilie. Vous pouvez vous dire si vous voulez. Merci pour ces récits et ces analyses qui d'ailleurs ont quelque chose d'important, surtout pour en revenir à cette publication récente du rapport du GIEC,
parce que ça a l'intérêt de nous donner une image de l'avenir différente de celle qu'on nous vend le plus souvent, c'est-à-dire que de plus en plus, on peut dire qu'il y a une sorte de crispation morale autour de notre rapport collectif à l'avenir, crispation morale qui se traduit à travers les notions de responsabilité, de précaution, c'est-à-dire d'un rapport emprunté, on peut dire, à l'avenir, enfin, au double sens du terme, alors que les récits de science-fiction, enfin, notamment ceux que tu analyses, on peut dire mettent en scène un rapport actif, un rapport positif, une prise en charge réelle, et par le biais de l'imagination, mais pas seulement, de cet avenir. Donc ça, à mon sens, c'est probablement une des vertus, on peut dire, contre-morale de la science-fiction. Alors, je vais donner maintenant la parole à Bertrand Guest et passer finalement à une autre manière d'altérer le monde actuel, une autre manière d'altérer le monde existant, puisque cette fois, il ne s'agit plus, comme c'est le cas dans la science-fiction, de proposer une altération qui passe par l'expérience de possibles, que ce soit des possibles dans l'avenir ou des possibles dans le passé, comme c'était le cas avec Le Guin, mais cette fois, de proposer une mise à l'épreuve du monde présent, du monde actuel, par le biais de la catastrophe, c'est-à-dire par le biais de l'exception. C'est-à-dire, hein, Fukushima a bien eu lieu, contrairement d'ailleurs à ce qu'on a voulu faire croire à de nombreuses personnes au Japon. Fukushima a bien eu lieu, mais cet événement est, on peut dire, à la limite de la réalité telle que nous l'expérimentons sous sa forme ordinaire. Elle est un régime d'exception, y compris au sens politique d'ailleurs. Et donc c'est cette autre forme d'altération du monde qui est explorée par les écrivains de Fukushima. Merci beaucoup Pierre, merci Émilie pour les nombreux points soulevés et dont je ne doute pas qu'on aura tout à l'heure l'occasion de croiser. Dans l'éco-critique actuelle, donc dans la façon de lire la littérature en lien avec l'écologie, on a pour habitude de privilégier la thématique fictionnelle. Enfin, on a pour habitude de lire plutôt des œuvres fictionnelles comme En relevant. Et ma situation par rapport à ça consiste plutôt évidemment dans la lignée de ce qui a été mon travail pendant de longues années jusqu'à maintenant, à lire plutôt des textes de savoir, des textes savants, des textes de description du monde, comme des textes porteurs de considérations sur l'écologie, et donc a priori une littérature plutôt non fictionnelle. Et avec Fukushima, je crois qu'il y a une occasion de répondre à la question que nous avons aujourd'hui qui nous réunit de manière intéressante, très riche, puisque tant la fiction que la littérature non fictionnelle sont à la fois nécessaires et possibles avec cette catastrophe. Alors, plutôt qu'une fabulation donc distanciée des problèmes réels de notre monde, la fiction, résumée en quelques mots, il s'agirait du genre de l'essai à placer donc en dialogue avec le genre du roman ou de la nouvelle. La forme de l'essai, genre ou forme par excellence de la théorie critique d'une prose d'idées dépositaire de savoir directement adressée aux sociétés humaines. Alors c'est ce qu'on retrouve largement dans ce livre qui va m'occuper dans les prochaines minutes. L'essentiel de la littérature post-Fukushima, ou comme le disent les Japonais, dont je ne parle pas la langue, hein, je le précise, je lis en traduction, ce qu'ils appellent la littérature de l'après 11 mars, se déploie entre plusieurs genres, de manière assez significative pour cette question, entre fiction et non-fiction, entre roman et essai ou autre forme. Et sans remettre donc en cause du tout les vertus heuristiques propres mises au jour à l'instant par Émilie H. Du détour par la fiction, plus caractéristiques quand même ces vertus de la fiction, de ce qu'on entend communément par littérature, mon propos serait d'exhiber quelques textes non fictionnels et d'interroger leur irruption au sein de textes fictionnels. C'est-à-dire, éventuellement, parfois, ce qu'est devenu le roman mutant d'après 11 mars, de l'après 11 mars, c'est un roman qui fait entrer en lui quelque chose de réel, disent un certain nombre d'écrivains japonais. Donc mon propos, il est de retourner en quelque sorte l'identification, deuxième point de mon propos, que je vais développer un peu après, ce sera de retourner l'identification d'un texte comme relevant de la fiction ou du réel. C'est-à-dire, je prendrai un peu au sérieux cette appellation de fiction, et j'aurais tendance à dire que, en fait, la littérature qui tente quelque chose contre la crise écologique
devrait commencer par dire la nature fictionnelle des principes responsables de cette crise. C'est-à-dire dénoncer la croyance fictive en un système qui convertit de la terre en argent. La voix donc fictionnelle en littérature doit savoir, dès le début, qu'elle serait une forme de tentative homéopathique, la fiction contre la fiction, de la fiction à propos de fiction au pluriel. Et pour répondre donc d'ores et déjà clairement à l'intitulé questionnant du débat, la fiction serait pour moi plus largement une partie de la littérature qui, elle, peut beaucoup, la fiction, elle, la première, peut beaucoup face à la crise écologique, dès lors qu'elle est associée intelligemment à quelque chose de réel. Alors, toutes les bonnes fictions, me direz-vous, le sont. La fiction associée à quelque chose de réel peut beaucoup en montrant la nature fictionnelle des récits donnés comme réels, scientifiques, objectifs, expertisés, qui font le plus souvent, malgré tout, appel à notre croyance et ne fonctionnent que dans la mesure où nous leur faisons confiance. Et c'est tout ce qui fait l'enjeu de ce volume, l'archipel des séismes, que je vais présenter rapidement maintenant, et qui donc est un recueil de nombreux textes courts, au statut très divers, d'auteurs pour la plupart japonais, qui évoquent les conséquences de la triple catastrophe, séisme, tsunami, accident nucléaire. Et les auteurs de fiction et les poètes y sont relégués en dernière partie, dans deux sections qui leur sont propres à chacun, significativement intitulées Fiction, écrire quand même, puis la poésie malgré tout. C'est-à-dire déjà dans l'idée que les formes traditionnelles de littérature qui tournent autour du fictionnel seraient rendues comme caduques par la catastrophe, puisque, comme on le dit souvent, la réalité dépasse la fiction. Donc, est-ce qu'il y a encore du sens à faire une fiction post-apocalyptique dans le Japon de 2011 ? La question se pose. Est-ce que l'enregistrement pur et simple de ce qui se passe ne vaut pas parfois toutes les fictions les plus délirantes ? Et alors, la majorité des textes de ce volume est constituée d'autres choses, des proses de journalistes, d'essayistes, géographes, anthropologues, psychiatres, photographes, architectes, peintres, des écrivains connus. Ils côtoient des témoins dont, anonymes, dont l'écriture n'est pas le métier. Et tous y viennent assez significativement ou reviennent à la littérature par la nécessité où les jette la catastrophe en tant que telle de prendre ou de reprendre la parole. Et là, je pense naturellement à la grande voix prix Nobel de la littérature, de la littérature japonaise, et qui reprend la parole dans ce volume après avoir pris en quelque sorte congé, retraite de la carrière littéraire. C'est Kansaburo Oe, évidemment, qui a une longue carrière de dénonciation de du nucléaire avant cette date. Et alors, ces textes, tous parus donc en 2012 dans des revues, éclairent exemplairement, me semble-t-il, la question de ce que la littérature peut face à une crise écologique dans laquelle la fiction n'est pas toujours, loin s'en faut, là où on pourrait l'attendre. Ce que semblent dire plusieurs de ces textes, ce serait cette question: les promesses de TEPCO ne sont-elles pas les véritables contes pour enfants ? Et au contraire, ces textes revendiquent une forme de véridiction qui n'est pas de l'ordre de la mystification technique, du langage que vous et moi ne pouvons pas comprendre, mais qui revendique donc un ancrage dans les lieux visités, que les écrivains soient d'ailleurs ressortissants ou non de ces régions, dans des témoignages de survivants auxquels la parole est donnée et qui sont autant de nouveaux Ibagusha, je m'excuse d'avance pour ma prononciation du japonais, du nom des survivants stigmatisés de Hiroshima, comme quoi cette catastrophe-là renvoie immédiatement à une histoire. Les Ibakusha, c'est donc des victimes qui ne pouvaient notamment pas se marier suite à Hiroshima et qui, l'analogie des survivants rescapés de Fukushima est omniprésente dans la tête de tout le monde. Contrairement donc au conte pour enfants de TEPCO, écrit dans un style volontairement ésotérique et dont l'indéchiffrabilité garantit l'inaccessibilité à tout véritable débat démocratique, je voudrais montrer comment ce livre, entre mille autres exemples naturellement, propose, définit la littérature écologique comme un ensemble de textes accessibles et rédigés, de sorte que chaque homme, chaque femme, sachant lire, puisse les comprendre et en expérimenter les savoirs. Alors, je vais
écourter un peu quelques remarques. L'idée, c'est que face à un contre-modèle d'écrit, que serait la clôture énonciative des rapports d'experts voués, réservés à des experts, réservés à des initiés, ainsi qu'à ce qu'un autre écrivain français, celui-là qui a écrit sur Fukushima, Fukushima récit d'un désastre de Michael Ferrier, lui, il appelle cette réalité le mélange de langue de bois et de scientificité incompréhensible, qui tient lieu d'ailleurs à la fois de commentaires scientifiques sur l'événement, mais aussi de commentaires surtout médiatiques dès mars 2011 et jusqu'à aujourd'hui. Dans ce contexte, le mélange fictionnel et non fictionnel des écrits de post-Fukushima renverrait, selon moi, à une circularité démocratique à construire. C'est-à-dire, on est loin du compte, mais quelque chose s'esquisse dans ces textes qui pourrait nous appeler à prendre notre part dans cet événement, dans son commentaire, dans sa pensée, même s'il est apparemment loin de nous. Comment donc cette littérature de ruines, à bien des égards d'ailleurs, j'y viendrai si on a le temps, littérature en morceaux, en fragments, émiettée, éparpillée en revues, en tracts parfois, en essais, en conférences, très volatile, très changeante, cette littérature, comment vient-elle à exercer sa responsabilité qui est de questionner pour tous, à commencer par ceux des sociétés nucléarisées comme la nôtre, ce qui est par excellence verrouillé, tabou, atomisé, séparé, littéralement, sacré aussi au sens d'une séparation. Comment, ça sera ma dernière question pour ce que je m'apprête à faire, comment cette littérature laïcise-t-elle les idoles industrielles qui prétendent encore nous gouverner? Alors, premier point pour répondre à cela, le constat qui est fait dans ce livre, c'est que la littérature est irradiée. La littérature est irradiée et elle doit saisir l'occasion de la catastrophe pour changer, pour évoluer. Au même titre que toutes les autres composantes, d'ailleurs, d'une société post-industrielle et notamment post-catastrophe, japonaise ou autre, la littérature subit l'influence de cette nouvelle norme que le nucléaire emblématise, concrètement et symboliquement à la fois. Alors, c'est un écrivain en particulier qui développe cette idée, Osaka Katsushi, qui nomme commodité, il appelle commodité quelque chose contre lequel il se bat et qui pourrait se définir comme la consommation rapide, sans effort, permanente d'une énergie dont on ne questionne pas la quantité disponible, ni l'origine. Et dans cet ordre d'idée, la littérature est parmi les premières choses atteintes, selon lui. Il y a une littérature de la commodité. Je le cite un peu longuement, mais pour le commenter ensuite, si, genre un coup d'œil au compteur, ouais. Si la littérature s'est laissée, alors c'est pas celui-là, ce sera après, je te dirai, là on l'a pas en projection, on n'utilisera pas tout ce que j'ai prévu, mais c'est pas grave, celui-là on veut l'utiliser. Si la littérature, écrit-il, s'est laissée enfermer dans une image de sentimentalisme, on rejoint cette nécessité que tu appelais, Pierre, de tes voeux tout à l'heure, de dépasser le clivage donc sensibilité littéraire et savoir scientifique. Donc, si la littérature s'est laissée enfermer dans le sentiment, la sensiblerie, si l'erreur de croire que tout roman qui se vend bien est nécessairement un bon roman a pris racine, n'est-ce pas fait exprès? Par qui? Par toutes les forces qui nous obligent à ingurgiter de la commodité et de l'activité économique. Un livre qui se vend est une bonne chose pour l'activité économique et dans le même temps, c'est un coin du rempart de l'art qui résistait à l'économie qui tombe aux mains de l'ennemi en acceptant de se faire mesurer selon des critères économiques. C'est un quartier supplémentaire de l'âme humaine qui n'avait rien à voir avec l'économie qui est rongé. Et cela est bien plus grave, finit-il, que le fait de se tromper sur la valeur de la littérature. Je l'ai lu d'une seule traite, un roman qui se lit dans la nuit. N'est-on pas là en plein dans la commodité, finit-il. Alors, ce n'est à mon avis pas un hasard si la littérature qu'il pointe ici, irradiée, littérature de commodité, et s'incarne majoritairement dans le roman. En effet, mon hypothèse serait que la fiction est peut-être la plus irradiée, la plus facilement irradiable, je ne dis pas que toutes les fictions le sont, mais la plus facilement irradiable des littératures, dans la mesure où elle est la plus commercialisée. Il y a quelque chose ici, bon, il faudrait, c'est peut-être un peu imparfait tel quel, mais on y reviendra. Peut-être au fond, faudrait-il se souvenir que c'est toujours dans la mesure, dans la stricte mesure où elle est réputée innocente, inoffensive, évidemment elle ne l'est pas, hein, la fiction, que la fiction ne dérange pas. Et donc qu'elle est, entre guillemets, permise, bon,
jugé bon à tirer, c'est-à-dire publiable. C'est une méthode paranoïaque, mais j'assume. Il faudrait poser au moins l'hypothèse que une littérature qui décrypte réellement, efficacement, les authentiques mensonges fictifs des sociétés commodes dans lesquelles nous vivons est une littérature peu publiée ou peu aisément publiée. La littérature de Fukushima se caractérisant dans ce contexte par une certaine hybridité, une très grande... c'est extrêmement récent, je parle du texte de 2012, et donc il y a aussi un effet de la catastrophe qui est de lever temporairement la censure. J'ai entendu des écrivains japonais récemment corroborer cette hypothèse. Éventuellement, on en parlera plus longtemps. Bon, deuxième point, c'est que l'essayiste, me semble-t-il, non pas par opposition, mais en complément d'un auteur de fiction, lutte dans le réel entre les mots et les choses de ses textes, entre les choses des espaces parcourus et les mots des textes qu'il écrit. C'est ce qui se passe dans la plupart de ses reportages, quand il s'agit de reportages sur la zone interdite ou ce qui l'entoure. Il s'agirait d'ici de dessiner un peu le portrait de cet essayiste en combattant des mythes scientistes, en combattant les fictions, les véritables fictions qui nous gouvernent, qui sont les mythes scientistes ou les mythes technologiques. Alors c'est là que je pensais à ce texte de Natsuki Ikezawa, texte qui évoque en fait le contrôle et le confinement comme deux éléments de base de l'industrie nucléaire. Alors pareil, il fait évidemment immédiatement l'analogie avec le champ littéraire. Lorsque je suis allé visiter la centrale, on m'a remis un texte qui présente de manière particulièrement éloquente comment le contrôle est effectué. Et ici, il se livre à une explication de texte. Il me semble que c'est aussi une des voies non fictionnelles de la littérature, en somme. Je vais résumer parce que c'est un peu long. Ce serait une explication de texte d'un texte de TEPCO. Il relève quelques expressions. Attention portée à la sécurité, rétention des radiations. Et 600 signes au total, ponctuation incluse, dans lesquels le terme danger, le réel en somme, était littéralement encadré par une succession de mots tels que solide, résistant, hermétique, robuste, grande étanchéité, épais, écran. Ce n'était pas un texte dessiné. Alors, il fait le commentaire du texte qu'il cite. Vous voyez ? Donc, le commentaire de ces rapports d'experts par un essayiste, donc un littéraire, mais non fictionnel. Et il nous dit que ce n'était pas un texte destiné à faire réfléchir, ni même une explication, mais un slogan publicitaire, rédigé dans un style d'écriture promotionnel. De la com, en somme. Et en alignant... Donc, il fait la critique acerbe de cela en montrant que des adjectifs, notamment, construisent ce mythe. Et c'est à ce moment-là, écrit-il, qu'il prend conscience que le nucléaire lui-même est un mythe. Sur le plan d'écriture, il repose sur un texte qui ne comporte pas de verbes, seulement des adjectifs et des adverbes. C'est un bâtiment sans piliers ni poutres, fait seulement de papier peint. Je pense que c'est assez clair. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps... s'il me reste au moins 5 minutes, très bien. Je dirais que pour commenter ce texte et un certain nombre d'autres qui lui ressemblent dans ce même volume, l'essai est vraiment une manière assez cruciale de faire face à cette crise écologique ponctuelle qu'est Fukushima, dans la mesure où, ponctuelle, oui, je choisis mal mes mots, ponctualité du point de vue de Sirius, quoi, du point de vue du cosmos millénaire et multimillénaire. L'essai serait crucial parce qu'il articule des temps. En fait, c'est vraiment un point d'accord, je pense, et de discussion pour tout à l'heure avec Émilie, puisque la science-fiction, c'est toujours un rapport en passant par le futur à notre présent. De même, dans l'essai, il y a aussi ce rapport possible, même si moins évident, me semble-t-il, à un futur et à un passé. C'est-à-dire que l'essai, globalement, c'est vraiment le genre de la catastrophe. Même c'est le genre des révolutionnaires au 19e, parce que c'est le genre de l'après-trou temporel. C'est le genre où on va pouvoir tisser l'histoire et montrer d'où vient une certaine réalité en lui donnant des précédents. Alors c'est notamment Hiroshima et Nagasaki pour ce qui nous concerne. Mais également, je note dans cette idée que Ferrier ou un autre écrivain dont je n'ai pas parlé, on ne peut pas parler de tout, William T. Volman, qui écrit aussi un Fukushima dans la zone interdite, cite lui aussi des récits médiévaux japonais
qui parle de vagues plus grandes que la hauteur du mur prévu pour contenir le tsunami du 11 mars. Donc, cette manière de montrer que l'histoire peut, et le texte ancien peut déjà toujours nous dire quelque chose de notre monde présent. Avant de passer à ma troisième et dernière idée, je voulais effectivement revenir sur ce que tu as levé comme lièvre, l'idée, Pierre, dans ta présentation, en faisant allusion à la déclaration inénarrable d'Anne Lauvergeon, déclarant que, alors que ses salariés avaient été parmi les premiers à fuir le Japon et même Tokyo, elle avait déclaré donc que ce n'était pas une catastrophe nucléaire que Fukushima. Dès lors, on a vraiment ce paradigme de l'inversion entre réel et fiction. Quel discours est fictif? Quel discours est réel? C'est vraiment dans ces commentaires de texte que s'ancre le propos des essayistes, de l'archipel d'essayistes, et aussi de Ferrier, hein, qui commente cette sortie d'Anne Lauvergeon. Troisième et dernier point, donc, l'idée que, fictionnelle ou pas, la littérature doit être consciente et dénoncer les langages qui empêchent l'homme de se libérer des systèmes dans lesquels il est pris, notamment le nucléaire, par exemple. Ici, je voudrais montrer deux vis-à-vis, en quelque sorte. Le premier, de deux images qui sont présentes dans ce volume, du photographe. Je n'ai pas son nom sous les yeux à cet instant. Deux photographies, qui montrent l'avant et l'après. Et en texte aussi, cela existe, puisque c'est ce que fait une romancière qui s'appelle Furukawa. Le travail de Furukawa est intéressant parce que, alors, c'est ce que relève un commentateur dans ce livre, un commentateur littéraire qui nous montre comment cette romancière, au moment de la catastrophe, réécrit une nouvelle qu'elle avait écrite 18 ans auparavant et que vous voyez apparaître à gauche. En 93, je pars me promener à l'invitation de l'ours pour rejoindre la berge du fleuve à quelques 20 minutes à pied. Au printemps, je m'y étais rendu pour voir les bécasses, vêtues d'une tenue de protection, mais c'est la première fois qu'en saison chaude, je m'y rends, en apportant un panier repas. Une promenade, ou plutôt une randonnée. Le même texte repris en 2011 dans un roman, dans ce qui est devenu Kamisama 2011, et non plus Kamisama, Dieu. Je pars me promener à l'invitation de l'ours pour rejoindre la berge du fleuve à quelques 20 minutes à pied. Au printemps, je m'y étais rendu pour voir les bécasses, vêtue d'une tenue de protection, mais depuis l'événement, c'est la première fois qu'en saison chaude, je suis habillé normalement, les bras à l'air libre, avec un panier repas, une promenade ou plutôt une randonnée. Il y a ce qui change et il y a ce qui ne change pas dans ce jeu des sept erreurs. Et ce qui est fascinant, c'est que, évidemment, le texte littéraire est là pour dire la permanence de la vie, l'espoir dont tu parlais tout à l'heure, mais également pour en quelque sorte, incrémenter du réel dans la fiction. Il cherche, comme le dit le commentateur Jino Toshifumi, cette romancière cherche à faire se transformer un roman en quelque chose qui n'est pas tout à fait du roman, quelque chose qui n'est pas plus tout à fait de la fiction. Alors c'est le seul exemple que je prendrai. Je résiste quand même pas à dire que, là encore, il faut faire l'histoire de ce rapport-là très spécifique des Japonais au réel en littérature. Qui existe bien avant le nucléaire. Bien loin de moi l'idée que seul le nucléaire aurait provoqué cela. Ils en ont même une conscience comique, puisque ici, c'est une autre essayiste plus ancienne, Yokomitsu Ryuichi, qui répond à Tristan Tzara, donc dans les années 30, me semble-t-il, qui s'enquiert du succès du surréalisme au Japon. Elle lui répond « Nous avons déjà notre lot de surréalisme avec les tremblements de terre. Le mouvement n'est donc pas prospère. » Et l'idée, c'est que le réel est donc déjà, dès les années 30, toujours déjà plus fou que la fiction. Mais a fortiori, cette idée est réinvestie dans l'ère post-Fukushima. Conclusion, je dirais que désobéissant aux déclarations responsables, entre guillemets, des journalistes, selon lesquelles il n'était pas alors le moment de faire de la littérature, Haruki Murakami écrit que si reconstruire des routes et bâtiments détruits est un travail dévolu aux spécialistes, je le cite dans ce volume, la régénération de l'éthique et des modèles est notre travail à tous. Dans cette vaste entreprise collective, les spécialistes des mots, c'est-à-dire nous, écrivains professionnels,
devons proposer de participer à certains travaux. Nous devons relier nouvelle éthique et nouveaux modèles à de nouveaux mots. Pour y faire bourgeonner et grandir des récits neufs et vivaces, des récits que nous devons pouvoir partager tous ensemble. Fin de citation. Mon commentaire qui suit, si la littérature participe bien de la recomposition permanente des communautés humaines, de leurs récits et de leurs discours, chose sur laquelle tous ici s'entendent, elle doit passer à la fois, me semble-t-il, par la fiction et par autre chose, une incrustation de réel en quelque sorte, mais peut-être l'est-elle possible dès la fiction. Elle doit donc être peut-être à cheval sur fiction et non-fiction, proposer donc un discours neuf, souple, hybride, qui permette de reforger un vocabulaire auquel nous puissions croire dans notre vie, c'est-à-dire des mots sur lesquels nous appuyer littéralement. Pas seulement des mots fictionnels, même s'ils comptent aussi, pas seulement des mots fictionnels qui déréalisent et distancient le monde ou permettent parfois d'en avoir une distance comique, créative, critique, mais aussi, nous avons aussi besoin, nous sommes des êtres de langage, nous avons aussi besoin de mots qui soient au premier degré, auxquels nous puissions croire. Et cela, au Japon, n'existe plus. C'est le constat majeur de ce livre, où recommence à peine à bourgeonner. Je veux, si j'ai une minute encore, faire allusion encore à Kenzaburo Oe dans ses notes de Hiroshima, donc montrer que cela est déjà présent en quelque sorte dans son commentaire de 95 sur un texte qu'il a écrit en 63, jeune écrivain. Il dit que en tant que jeune romancier, il pouvait alors dire qu'il était en train, à la suite du succès de ses débuts, d'édifier sa carrière, point. En tant qu'essayiste, également, il jouait le rôle de porte-parole de la jeune génération. C'est-à-dire, je ne voudrais pas trop schématiser les choses, mais ce qui me retient dans cette sortie de Oe, c'est que le romancier qui publie avec succès cache chez lui un essayiste qui parle de plus en plus au nom d'un public et pour lui, c'est-à-dire qui s'adresse à lui. L'auteur de fiction n'est jamais autant le porte-parole de gens que l'essayiste. Mais peut-être que l'auteur de fiction, comme Oe, est un essayiste dans la fiction. C'est-à-dire, dans sa manière de faire de la fiction, il serait essayiste. Mais ça n'est pas donné forcément à tout écrivain. Fukushima nous demande sans doute d'avoir d'assez bons écrivains pour être les deux à la fois, donc écrivain, essayiste, écrivain, romancier, dans la mesure où Toshifumi note que la littérature la plus intéressante de l'après 11 mars, pour lui, foisonnante, très très nombreuse, c'est ce quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la fiction. Et je terminerai en embrayant sur le débat, peut-être avec quelques formules d'Isabelle Stengers que j'aimerais discuter, mais ça ne m'appartient pas de décider cela seul. Je dirais que l'hybridité de la littérature la sauve peut-être en la rendant plus percutante que d'autres discours, notamment peut-être ceux de certaines sciences humaines face à la crise écologique. Le danger pour elle, pour la littérature, consisterait aussi à être classée comme fiction ou non-fiction. C'est-à-dire, je voudrais, en dernière analyse, dire que ce qui est vivant et subversif et potentiellement frappant pour nous dans cette littérature, c'est justement celle qui est ni l'un ni l'autre ou les deux à la fois. C'est-à-dire que, un peu dans l'idée d'un classement de librairies inopérant, et puis en plus, comme dirait Henri Michaud, qui vous montre comme une cible pour l'ennemi, hein, la littérature la plus efficace, loin de la littérature bien calibrée, c'est peut-être celle qui avance masquée face aux complexes technologiques, militaro-industriels. Je pense à toute autre chose que Fukushima, à quelqu'un qui s'appelle Éric Chauvier, qui a écrit dans Somaland quelque chose de tout à fait exemplaire dans l'hybridité que je dessine. Une littérature est mise hors d'état de nuire au moment où on est capable de dire ceci est de la fiction ou ceci n'en est pas, ou du documentaire. Et il faudrait en quelque sorte savoir maintenir l'ambiguïté quant à cette question pour réarmer notre imagination. Et alors, simple dernière question à Isabelle Stengers ou à Émilie H ou aux deux. Notre besoin de nouveaux récits concerne la fiction en tant qu'une expérience de pensée, entièrement d'accord, parmi d'autres. Mais cette expérience de pensée que rend possible la littérature, plutôt qu'expérience de pensée pour les sciences humaines, je dirais qu'elle est une expérience pour tous, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être réservée à quiconque, et encore moins, me semble-t-il, à un magistère des sciences, fût-elle humaine. Elles doivent être celles, je pense, ces expériences de tous les lecteurs, et même celles de tous ceux qui font les expériences sans même les lire, sans même les dire parfois,
dans les livres, puisque le premier constat de ce livre, c'est que quand même, tous ceux dont on a vu qu'ils n'attendaient que les catastrophes pour se mettre à écrire, attendent leur tour. Merci. Bon. Alors, merci Bertrand. Moi, on va donner la parole dans un instant. Je voulais simplement créer les conditions du dialogue en invitant Bertrand et Émilie d'abord à échanger un petit peu. Et pour ça, je vais repartir d'un exemple en fait, qui est lié à ce dont vient de parler Bertrand, qui est les réactions qui ont eu lieu à l'intérieur de la zone interdite et au pourtour immédiat de la centrale de Fukushima après l'accident, enfin, le tsunami accident. Ce qui s'est passé, c'est que, enfin, vous le savez tous, puisque ça a été abondamment médiatisé, ça l'est moins maintenant, et ça reste une réalité pour des dizaines de milliers de personnes. C'est-à-dire qu'il y a une zone de confinement absolue qui a été créée au pourtour immédiat de la centrale, puis autour, par cercle concentrique, des zones où le niveau d'interdiction est de moins en moins important. Les niveaux de restriction pour l'habitat, pour l'agriculture, etc., sont de moins en moins importants, jusqu'à la zone d'habitat standard, si vous voulez. Ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, dans l'immédiat, de très nombreuses populations sont parties, ont rejoint des membres de leur famille à Tokyo, ailleurs, etc., plus loin possible, quand c'était possible, de la centrale. Et puis d'autres, très vite, dès que ça a été possible, d'autres personnes ont choisi de revenir là où elles habitaient, reconstruire les maisons, et pour certaines même, recommencer à planter et à vivre des ressources locales. Donc, si vous voulez, une des questions qui s'est posée très vite au Japon, c'était migrer ou changer. C'est-à-dire retrouver des conditions de vie pré-catastrophe, un air et une terre à peu près propres, une eau à peu près propre, ailleurs, ou revenir, parce qu'on est de là, une famille vient de là, dans les communautés sociales rurales, au Japon comme en Europe d'ailleurs, le lien au local est très important. Donc pour certains, ça valait la peine de faire ce sacrifice, c'est-à-dire de vivre en permanence avec un dosimètre autour du cou pour savoir où en sont les radiations, d'apprendre à s'alimenter autrement, d'apprendre même à respirer autrement, bref, de réapprendre à vivre complètement dans un monde, enfin dans un espace irradié. En fait, ce choix-là, dans la société japonaise contemporaine, a fait l'objet de très nombreuses discussions, de très nombreuses publications aussi. Hein, les uns disant à ceux qui avaient voulu rester qu'ils étaient irresponsables pour leurs enfants, pour leur famille. Les autres, ceux qui étaient restés, enfin qui étaient revenus plutôt, accusant ceux qui étaient partis, si vous voulez, d'avoir trahi le département de Fukushima, d'avoir trahi leur famille, au sens historique cette fois, le passé, etc. Et donc en fait, moi, c'est la question que je voulais vous poser, puisque au fond, la question se posait dans le premier récit dont tu parlais, Émilie, et puis la question se posait en sourdine dans ce dont tu parlais, Bertrand. Au fond, quelle est, d'après vous, la position de radicalité ? Si vous pensez qu'on peut faire ce genre de choix, la position de radicalité, celle qui est porteuse d'une critique, c'est-à-dire s'adapter, changer, c'est-à-dire prendre acte du fait que la catastrophe va arriver et que l'écologie, c'est le même homme dans un autre monde, ou chercher à éviter, contourner, esquiver, c'est-à-dire vraiment agir sur la réalité du monde possible. Voilà, c'était peut-être par cette voie-là, entre autres, qu'on pourrait discuter un petit peu de vos deux... l'analyse. Merci. Très belle question, je pense, pour faire le pont entre. Ça fait penser à plein de choses, par exemple, au lien que je fais un peu de manière spontanée, étant pour le coup ACB aussi en matière de science-fiction, mais l'expression, le lien entre science-fiction en gros et vaisseau-terre, et l'image du vaisseau-terre. En gros, cette espèce de possibilité narrative de toujours pouvoir laisser l'endroit dévasté derrière nous existe en fait dans tous les discours, qu'ils soient littéraires ou non, fictionnels ou non. Et pour répondre très franchement à la question, je commencerai par donner un cas de figure qui échappe à la dichotomie, c'est tous les gens qui n'ont pas le choix, c'est-à-dire les gens qui sont... partis sans avoir le choix, mais cela tu leur as fait une place dans ta question naturellement. Mais il y a aussi tout un tas de gens qui, alors la zone irradiée, je connais pas très bien. J'imagine que il y a pas des gens qui sont restés. Il est possible d'imaginer ces gens-là. En tout cas, il y a des gens qui sont, il y a beaucoup de gens qui sont restés dans des zones, qu'elles soient ou non interdites.
tu pourrais mieux répondre que moi là-dessus, mais disons dans des zones où ce nouveau mode de vie s'impose, la plupart des gens dans ces zones ne se posent tout simplement pas la question qu'on vient de se poser. C'est ce que raconte d'ailleurs assez bien Yoko Tawada, dont je n'ai pas beaucoup parlé, qui écrit un journal des jours tremblants en allemand et en japonais. C'est une écrivaine japonaise, mais exilée en Allemagne, et qui, au moment de la catastrophe, regarde cette catastrophe de loin avec un regard tout à fait étrange, singulier, puisque binationale, biculturelle, bilingue. Et elle écrit que, de toute façon, les gens qui travaillent dans le nucléaire, que ce soit avant ou après la catastrophe, mais au fond, c'est déjà la catastrophe, les gens qui travaillent dans une catastrophe, dans une centrale avant ce qu'on appelle une catastrophe. Pour elle, je serais d'accord avec elle, bien sûr, elle dit que ces gens sont définis par cela, ne pas avoir le choix. Donc il y a aussi cette idée que c'est peut-être un premier élément de réponse. Mais... J'allais aller exactement dans le même sens, surtout quand tu faisais référence à ce premier roman dont j'avais parlé tout à l'heure, puisque de fait, l'histoire même de cette jeune fille, c'est précisément celle pour laquelle la question ne se pose pas peut-être de cette façon-là. Elle n'a pas le choix entre changer ou s'adapter. Elle est dans la situation dans laquelle elle est, qu'elle subit très largement et dont elle essaie précisément d'en faire quelque chose en considérant que même dans... Voilà, c'est une autre expression d'une personne qu'on a beaucoup citée ce soir, mais qui utilisait cette jolie expression pour moi qui s'appelait « fabriquer de l'espoir au bord du gouffre ». Voilà. Et c'était de cet ordre-là, pour moi, dont il s'agissait dans cette fiction-là. Mais plus généralement, c'est peut-être ce qui m'intéresse dans certains récits de science-fiction, ce n'est pas tous forcément des récits de science-fiction féministes, mais c'est en partie ceux-là. Ce sont des récits, je vous le disais tout à l'heure, en fait, qui... je ne sais pas si ça existe, mais j'ai l'impression que ça existe dans ces récits-là, qui seraient justement dans une sorte d'entre-deux entre l'utopie et la dystopie. Et qui ne sont, voilà, qui sont pas justement en train d'essayer d'élaborer parfois ce qui peut être tout à fait intéressant et même sérieux à plein d'égards, des récits de science-fiction par lesquels on a l'impression qu'il n'y a pratiquement aucun chemin, d'une certaine manière, entre le monde dans lequel on est et puis les propositions qu'ils sont en train de nous faire, et puis d'autres récits, au contraire, qui nous proposeraient des choses qui sont complètement liées, mais qui semblent même aller un petit peu trop rapidement, glisser trop rapidement par rapport à la situation dans laquelle on est. Et ce qui m'intéresse, en raison de la situation qui est l'anneau de crise écologique, c'est précisément, encore une fois, ceux qui cherchent à créer ou à travailler sur cet entre-deux, à savoir de travailler dans cette situation dans laquelle on est dans une situation au bord du gouffre. Pour certains, apparemment, ils le sont peut-être plus du tout au bord, ils sont déjà quasiment dedans. Mais voilà, et pour autant de fabriquer quelque chose. Merci. Peut-être on peut maintenant passer la parole à la salle s'il y a des questions. En fait, c'est pas une question, c'est une réaction par rapport à votre présentation. Vous avez dit en fait que c'est un petit peu par rapport au nucléaire, comme si on vivait dans une fiction, des contes fictionnels, et du coup, c'est même plus la peine de faire de la fiction. Et je trouve que par rapport au nucléaire, c'est-à-dire quand on parle des conséquences de l'accident ou de la radioactivité, les conséquences sont tellement loin de notre monde quotidien qu'on peut même plus quand on parle de ça, les gens peuvent même pas l'imaginer. C'est un petit peu comme si on avait la fiction dépasse la réalité, quoi. Et en fait, bon, non, mais c'est juste l'impression que ça m'a fait. C'est vrai que des fois, quand on parle de ça, on a l'impression qu'on vit par exemple, ici, on est dans un pays qui est très nucléarisé. C'est comme si ça n'existait pas. On est en pleine fiction. Donc, la situation fait qu'on ne peut même plus faire de la fiction. Enfin, c'est le sentiment que j'ai, quoi. Oui, dire quelques mots. D'abord, merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, je partage assez largement votre impression d'un trouble. Ce que je trouve intéressant, c'est les écrivains qui arrivent à nous dire parfois mieux que nous-mêmes. Moi, je partage votre expérience. Par exemple, je passais devant mon expérience à moi de centrale nucléaire est assez réduite. Il se trouve que je faisais l'aller-retour entre Toulouse et Bordeaux pendant 2 ans en train. Et certains connaissent peut-être, on passe vraiment sous les cheminées
nucléaire de Golfech, qui est la grande centrale du sud-ouest entre Toulouse et Montauban, enfin entre Montauban et Agen. Et en fait, spatialement, il y a quelque chose d'un espace sacré, voilà, tabou, interdit naturellement. Ce que fait par exemple Greenpeace symboliquement en mettant le pied dedans, c'est souvent aussi nous signifier combien cet espace au fond est mis à part. Et donc peut-être le point de départ d'une fiction en ce simple sens que c'est ailleurs, c'est un autre espace, c'est quelque chose où nous n'avons pas le droit d'entrer. Je crois que c'est très important cette manière dont les écrivains du nucléaire spatialisent plus ou moins leurs récits. Enfin, ça dépasse un peu votre témoignage. Je voulais simplement effectivement dire combien il me semblait pertinent et que je le partage. Si je peux intervenir dans ce débat dont je n'ai pas parlé moi, mais je repensais évidemment à ce texte dont on avait déjà eu l'occasion de parler ensemble, de Svetlana Alexievitch, que vous connaissez sûrement, qui a écrit un texte qui s'appelle La Supplication et qui parle évidemment de l'accident de Tchernobyl. Et je me demandais, parce que je ne suis pas non plus spécialiste de ces textes de science-fiction, de fiction sur Fukushima, est-ce qu'il y ait fait écho à ce texte? Parce qu'au départ, c'est un texte très intéressant pour nous ce soir, parce que c'est une journaliste et qui pourtant a d'une certaine manière écrit un texte qui ne relève pas du journalisme classique. On l'a assez dit d'ailleurs à l'égard de ce texte, qui est vraiment un texte avec une vraie qualité littéraire, qui se lit de fait quasi comme un roman aussi, qui explique en partie, je pense, la très grande importance de ce texte, et qui, j'y pensais avec votre intervention, puisque dans ce texte, elle rend vraiment littéralement, vraiment, elle nous fait vraiment éprouver et sentir le fait que, à cette époque, en tout cas au moment de la catastrophe de Tchernobyl, qu'est-ce que ça voulait dire de vivre avec au sein d'une catastrophe nucléaire. On le voyait à peine, on sait pas que ça, voilà, c'est, l'air se respire de la même façon, bon, etc., etc. Et je me suis souvent demandé si ce texte avait un peu traversé les océans, enfin si on y faisait référence, il y avait un héritage de ça, s'il était en dialogue, si pas du tout. c'est une question pour tout le monde. Bonsoir. Madame H, vous nous avez parlé tout à l'heure d'une troisième nouvelle que vous vouliez évoquer une seconde. Dites-nous-en un petit peu, s'il vous plaît. Très bien, je suis très contente. Merci. oui, c'est une nouvelle d'une autre grande écrivaine de science-fiction qui s'appelle Marion Zimmer Bradley, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a écrit une petite nouvelle qui est encore plus ancienne, qui date de 1955, et qui s'appelle La vague montante. Parenthèse, je vais vous raconter je vais vous dire trois mots sur cette nouvelle et la raison pour laquelle elle m'intéresse particulièrement. Mais pour faire le lien vraiment avec ce que disait aussi Bertrand, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a, à côté de cette petite nouvelle, elle est extrêmement connue dans le milieu de la science-fiction, parce qu'elle a écrit une immense... je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas une trilogie, parce qu'il y a beaucoup plus de nombres que ça, mais qui s'appelle Le roman de la ténébreuse, qui a plein d'épisodes, et qui a très largement été repris, influencé chez des activistes féministes écologistes américaines, qui elles-mêmes sont mis à écrire de la science-fiction écologiste, et qui vont aujourd'hui en faire un film. Donc voilà, cette question de la circularité, de l'imbrication de ces différents régimes, on pourrait dire de discours et de vérité, est ici tout à fait flagrant, au sens où, de fait, comme à mon sens Bertrand disait très bien tout à l'heure, le réel n'ayant aucune leçon à donner sur ce qu'il est en train de raconter, on peut tout à fait aller voir du côté de la fiction pour essayer de penser un tout petit peu et respirer dans la façon dont on veut nous s'approprier notre avenir. Sur cette question de cette petite nouvelle, je m'étais intéressée aussi par le type d'expérience à nouveau qu'elle nous fait faire, à savoir qu'il s'agit de l'histoire suivante. À la fin du XXe siècle, un groupe d'astronautes, et on va revenir justement sur un petit peu ce que tu disais sur ces questions toujours de conquête de l'espace, là on y est, mais on y est tout à fait différemment. C'est-à-dire que c'est un petit groupe d'astronautes qui est envoyé dans l'espace pour conquérir une planète qu'ils appellent Terre 2. Donc on est dans un pur science-fiction classique, on n'a plus assez... notre Terre est complètement ravagée, donc on va aller coloniser une autre pour pouvoir survivre. Or,
Ils ont cassé leur vaisseau et donc ils mettent 4 générations avant de pouvoir le réparer. Sauf que je ne vous expliquerai pas véritablement de manière technique les raisons de cela, mais quand ils reviennent sur Terre, donc qui est leur mère patrie, mais que ceux qui reviennent n'ont jamais posé le pied dessus, ils arrivent avec 400 ans à peu près, à peu près 400 ans postérieurs à la date à laquelle les premiers sont partis. D'accord ? Donc quand ils reviennent, ils sont complètement excités en se disant à la fois, parce que ce sont les héros, évidemment, ils s'attendent à être accueillis comme des héros, bien sûr, ceux qu'on ne croyait plus voir, mais surtout, ils sont aussi, et c'est vraiment dit dans la nouvelle, ils sont excités à l'idée de voir le niveau technologique qu'est censé avoir atteint à ce moment-là la Terre. Parce qu'évidemment, on ne pense, 1955, la guerre nucléaire, etc. Enfin, c'est ce type de pensée aux États-Unis. On ne peut que penser, on est dans l'idéologie du progrès, dans l'idéologie de la technique, et donc on a forcément avancé sur ces objets-là. Ils arrivent, ils atterrissent dans un champ, et ils voient un monsieur avec son fils en train de s'occuper se promener dans les champs à côté. Je crois qu'ils étaient en train de s'occuper d'un troupeau, pardon, de bétail, et qu'ils les ont vus, qu'ils ne réagissent absolument pas, qu'ils ne sont pas en train de fuir parce qu'ils ont peur, mais qu'ils les voient, mais comme ils auraient vu passer, je ne sais pas, des oiseaux, ils auraient vu passer. Sa première réaction de ces personnes-là, ils disent, mais ils nous ont vus ou pas, pourquoi ils ne regardent pas. Et deuxième réaction ensuite, ils arrivent et ils se rendent compte que, même si c'est une nouvelle, donc c'est court, et donc il y a peut-être certaines choses qui manquent, mais qu'ils ont absolument délaissé totalement la technologie telle que, et même l'idéologie qui va avec, telle qu'ils l'ont quittée finalement au moment où ils sont partis sur cette deuxième Terre, à savoir qu'ils ont complètement stoppé la conquête spatiale, mais c'est fait de manière très intelligente aussi. C'est ça qui est intéressant à nouveau dans cette petite nouvelle. C'est pas un retour en arrière, c'est pas une forme de technophobie du tout. Ils se rendent compte à la fin de la nouvelle, alors que la plupart des gens du vaisseau sont désespérants en disant, mais mon Dieu, c'est vraiment un retour à l'âge de pierre, etc., etc., qu'ils les ont, mais simplement, ils ont un rapport, on pourrait dire, à la technique civilisée. C'est-à-dire qu'ils sont pas simplement dans une idéologie de la science ou du progrès pour le progrès, mais pour différentes raisons, ils les ont abandonnés. Et quand vous lisez ce texte, je vous invite vraiment à aller le lire, c'est tout à fait flagrant de faire l'expérience d'un monde dans lequel on serait en dehors d'une idéologie du progrès et en dehors d'une idéologie de la technique. Et c'est assez étonnant comme type de sensation qui est procurée par cette nouvelle. Je vais me permettre de vous parler d'une nouvelle. C'est pour ça que je découvre toutes mes nouvelles. C'est à force d'en parler, on m'en apporte. En plus, au point de vue date, je vous batte 2 ans. Je vais vous parler de quelqu'un qui n'est absolument pas philosophe, à mon sens. Mais ça, vous pouvez peut-être en parler mieux que moi, mais qui s'appelle Philippe K. Dick, qui a été très vulgarisé par des nombreux films. Une de ses nouvelles a été écrite en 1953. Donc c'est un tout petit peu plus... C'est 2 ans avant la vague montante. Elle s'appelle Mission Exploration. C'est une nouvelle qui fait 20 pages, qui est extrêmement courte et qui parle de gens qui partent à la recherche d'une nouvelle planète suite à la pollution complète de la Terre. Donc je ne vous dis pas la suite, mais c'est assez... c'est une nouvelle extraordinaire qui ferait un film fantastique si vous êtes un peu cinéphile, et qui parle d'une recherche d'une planète... d'une Terre numéro 2, et dont la fin est extraordinaire. Surtout pour les années 1953, ce qui est quand même ce qui démontre quand même l'aspect novateur de Philippe K. Dick. Oui, juste un mot après, peut-être on repasse, on refait un dernier tour, mais ce qui est étonnant justement dans cette nouvelle de la vague montante, c'est écrit en 55, et le contexte est évidemment très important, mais très honnêtement, quand vous la lisez même 60 ans après, le type de question et de proposition qui est fait dans cette nouvelle est absolument pas caduque. Ça peut être le cas, mais c'est la loi du genre dans la science-fiction, que certaines soient complètement dépassées ou désuètes, ou parce qu'ils ont manqué une technologie, ou ils sont morts, etc. Mais là, c'est absolument pas le cas. Parce que le type d'expérience que cette nouvelle nous fait faire, c'est vraiment une question qu'on est toujours en train de se poser. Comment une organisation sociale, comment un imaginaire collectif, comment des désirs pourraient passer ou se construire d'une façon différente de ceux dans lesquels on est pris depuis maintenant un certain nombre de siècles. Et en ce sens-là, c'est absolument dépaysant dans le sens le plus littéral du terme. Alors, a-t-on le temps de prendre encore une question? Et si oui, y en a-t-il?
Bonjour, je m'appelle Ange. Et en fait, j'ai une question, j'aimerais bien savoir pour vous, est-ce que la fiction, c'est le meilleur moyen de lutter face aux crises écologiques? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres éléments, peut-être plus, pas intéressants, mais plus impactants, en fait, qui pourraient avoir plus d'impact que la fiction? Merci pour cette question très directe, qui va embarrasser nos intervenants, mais ils vont quand même répondre. Oui, je vais essayer en tout cas. Merci beaucoup. C'était un peu le sens de ce que j'ai voulu dire. C'est-à-dire, pour moi, quand on s'est réunis la semaine dernière pour préparer un peu, et puis avant, sans trop dévoiler les coulisses, mais j'ai un peu commencé par leur dire, chers amis, je suis tenté de répondre à cette question, que peut la fiction face à la crise écologique, par peu ou pas beaucoup, ou voire rien, ou presque rien. Alors évidemment c'était polémique, c'était pour en quelque sorte répartir les rôles, mais je suis loin de le penser. Je crois que effectivement j'ai botté en touche tout à l'heure en mettant considérablement d'eau dans mon vin en disant la fiction peut beaucoup à partir du moment où il faut reste à préciser son rapport au réel. Je pense que vous voyez c'est un peu comme l'utopie. L'utopie au XVIe siècle commence comme genre littéraire classique. Une île fictive dans laquelle personne ne peut se rendre, dont la géographie commande une clôture, dont on fait le voyage en bateau, dont on revient. Ce sont les règles du genre littéraire de l'utopie. Et dont on fait la description en disant à quel point ce lieu est fantastique ou au contraire anti-utopie, à quel point ce lieu est atroce, c'est peut-être le schéma dont on ne peut pas se déprendre pour critiquer en fiction une société. C'est-à-dire, c'est toujours plus ou moins une manière de dire « je ne décris pas frontalement une société que je réprouve, je ne peux pas. » Il y a bien des sociétés dans notre monde dans lesquelles, la nôtre peut-être y compris, même si apparemment elle ne l'est pas, dans lesquelles on ne peut pas frontalement dire à quel point le noyau, si je puis dire, de ce qui ne va pas doit être changé de place. Disons que c'est, la fiction, c'est aussi pratique en ce sens-là parce que ça permet de détourner la critique, de la spatialiser autrement, de lui donner un détour. Quant à savoir si c'est plus pratique, moi, je serais presque tenté aujourd'hui de dire que la recette est connue. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ceux que nous avons, il ne faut pas, en fait, dans cette expression de crise écologique, ce que j'aime pas, c'est que ça élude toute idée de conflictualité. En fait, nous sommes déjà presque dans ce qui peut s'appeler tout autrement, c'est moins plaisant, mais comme des guerres écologiques, guerre de l'eau, guerre du pétrole, guerre des hydrocarbures, etc. Ce sont déjà des guerres qui tuent, ce sont déjà des guerres qui rapportent énormément. Et donc, dans ce contexte de guerre plutôt que de crise, il me semble que la littérature gagne à nommer son ennemi, c'est-à-dire à dire à qui le crime de Fukushima rapporte-t-il, par exemple, à qui fait-il du tort. Et donc, il y a un engagement littéraire qui peut-être se faire par la fiction, mais peut-être pas jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire le point où il faut quand même arriver à dire noir sur blanc si... What we stand for, ce pourquoi nous sommes là, ce à quoi nous tenons. Tiens, je m'en sors comme ça. Je ne sais pas si ça répond à la question de... J'espère que ça répond à votre question. Ou juste, peut-être pour rajouter aussi un mot, c'est bien évidemment qu'il y a toute autre chose qui peut nous aider, quoique, c'était peut-être aussi le point d'interrogation de cette séance, Pierre le rappelait tout d'abord, on a évidemment, heureusement, un certain nombre de... notamment de sciences qui aujourd'hui nous donnent un certain nombre de savoirs à partir desquels on est censé pouvoir agir sur ces questions-là. Mais il se trouve aussi que ce qui me semble être un petit peu quelque chose de fil commun finalement entre nous trois, c'est de prendre très au sérieux le fait que la société dans laquelle on est, enfin la société moderne dans laquelle on est depuis maintenant un certain nombre de temps, a été construite sur des fictions aussi. C'est pas au sens où ça serait pas vrai, mais elle a été construite aussi sur des fictions dans le sens où, comme le rappelait Pierre, comme le rappelait Bertrand,
On n'est pas arrivé au nucléaire comme ça, on n'est pas arrivé à la conquête spatiale comme ça, on n'est pas. Enfin, les choses absolument structurantes de cette société sont passées par un certain nombre de récits fictionnels. Et en ce sens-là, il me semble que oui, absolument, la fiction est complètement capitale pour participer à imaginer pouvoir changer, voilà, ou construire autre chose, à savoir construire d'autres façons, d'autres types d'ambitions, d'autres formes que celles dans lesquelles on est, qui irriguent nos désirs, tout simplement, et nos désirs collectifs. Donc, en ce sens-là, j'ai envie de changer l'imaginaire que celui du nucléaire, j'ai envie de changer d'autres rêves que celui de la conquête spatiale, etc. etc. Et là, la fiction a son mot à dire. Merci à tous les deux. Est-ce qu'on prend encore une question ou est-ce qu'on... Oui ? Alors, allez-y. Bonsoir à tous. Alors, ma question était, quelle est, selon vous, l'influence de la littérature, récit ou prospective dans le cadre de la science-fiction, dans la vulgarisation, la compréhension de ce qu'on peut appeler la crise écologique ou la guerre écologique, comme vous l'avez cité? Ouais, brièvement, je pense que c'est une question qui aussi mérite nos deux réponses, mais parce que le mot qui vient immédiatement à l'esprit, c'est celui de transmission ou de vulgarisation. Je me suis occupé beaucoup de ces questions plutôt sur le 19e et pas tellement sur Fukushima, sur lequel j'ai un peu travaillé après. Mais c'est extrêmement important, compliqué et à la fois très porteur d'espoir. Ça répond aussi à la question précédente, c'est-à-dire qu'est-ce que la littérature peut... Bon, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur un de mes géographes, c'est un géographe anarchiste un peu particulier, français, qui s'appelle Élisée Reclus, et qui répond un peu à votre question. C'est-à-dire il fait l'histoire du sentiment qu'ont eu les hommes de former un tout, qui peut s'appeler cosmos, c'est-à-dire il refait une histoire universelle, d'ailleurs pas du tout européo-centrée. C'est une des premières. La date peut-être, parce que c'est, oui, pas évident de savoir. C'est vrai. Ça se passe qu'il y a un siècle, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est une géographie d'il y a un siècle, 1860. 1860, la nouvelle géographie universelle. 1905, l'homme et la terre, son dernier livre. Et dans tous ses essais, très larges, il fait un peu ce que vous décrivez, c'est-à-dire il essaye de donner aux hommes les clés pour eux-mêmes faire du texte littéraire leur parole, c'est-à-dire et inversement, le texte littéraire qu'il écrit dans ses ouvrages de géographie est un texte commun à tous, c'est-à-dire ce qui s'appelle littérature, pas au sens disons qui nous vient le premier à l'esprit, c'est-à-dire quelque chose d'élitiste, il faut savoir lire, il faut s'y intéresser, il faut prendre le temps de lire, etc. C'est plutôt quelque chose qui circule, une lettre muette, une parole muette, comme dit Jacques Rancière, qui circule entre, à vrai dire, tout texte circulant sur des questions dans des sociétés dont les hommes savent lire. On pourrait dire aussi, dans la façon dont vous posez la question, il y a un biais, parce que vous demandez si la littérature peut avoir un rôle dans la vulgarisation de la science. Présenter les choses comme ça, ça suggère que la littérature, enfin le récit fictionnel, aurait pour tâche de dire autrement ce que dit la science, c'est-à-dire de dire la même chose dans un langage différent qui potentiellement serait accessible à un plus grand nombre. Alors, ça peut faire partie des ressorts de l'écriture littéraire. En réalité, c'est rarement le cas, puisque la science elle-même se dote, on peut dire, d'appareils de vulgarisation. Je pense que c'était quand même le sens de ce qu'expliquait Émile Hache, c'est que là où intervient la littérature, c'est peut-être moins pour vulgariser, moins pour populariser la science, que pour proposer un autre discours sur le même genre d'objet ou le même genre de problème. C'est-à-dire, on l'a tous les deux rappelé, moi aussi en introduction tout à l'heure, la science est une forme d'attention au monde très particulière, qui a son histoire, qui a sa contingence. On vit aujourd'hui à travers l'idée largement partagée que c'est la science qui est, on peut dire, dominante dans la formulation d'une vérité à propos du monde. La réalité peut être plus nuancée, plus relativisée. Et en matière de construction d'un récit du monde, et surtout d'un récit du rapport entre les hommes et le monde dans lequel ils vivent, la philosophie, les sciences sociales, la littérature tiennent des discours dont le contenu n'est pas le même, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas secondaires par rapport à la science, la science n'étant elle-même pas secondaire par rapport à la littérature ou la philosophie, elles sont simplement, elles se partagent un même objet. Et c'est, je pense que je paraphrase un petit peu ce que disait Émile tout à l'heure en disant qu'il importe que plusieurs modes d'attention
soient présents en même temps. Parce que ce que remet en jeu la question environnementale de manière très large et très profonde, c'est justement le genre de choix qu'on fait concernant la construction du monde, la construction du monde dans lequel on vit. Donc de ce point de vue-là, la littérature, dans la mesure où elle n'a pas, on va dire, de contraintes argumentatives, où elle n'a pas de contraintes, bah, tout simplement, de contraintes professionnelles, il faut appartenir à sa catégorie, etc., exerce une forme de liberté dans le récit, qui est un contrepoint très souvent bienvenu, je pense que le cas de Fukushima est assez exemplaire à ce titre-là, pour nous mettre du jeu, si vous voulez, dans l'autorité de la science et de la technique. Emilie dit on s'arrête là, elle trouve que... Une dernière intervention, ok, on y va. Juste une question. Comment vous situez-vous par rapport au postulat de Jean-Pierre Dupuis, justement par rapport à cette réalité qui devrait être prioritaire de la réalité de la catastrophe? Est-ce que c'est justement pas ça, le catastrophisme éclairé, enfin de Jean-Pierre Dupuis, le départ de l'absence de fiction, puisque lui le prend comme un point de départ de toute la réflexion écologique? C'est qu'elle va avoir lieu, donc comment est-ce que on peut se placer devant cette réalité qui nie de fait toute fiction, puisque ça devient... Pourquoi ça nierait tout recours à la fiction? Parce que c'est une fiction, enfin la fiction devient réalité, puisque pour lui c'est un postulat. Pour moi, ça serait pas antithétique. Je crois que c'est précisément ce qui nous intéressait ici de partager ensemble. Encore une fois, là je répéterai des choses, mais je pense que c'est face à cette crise écologique, encore une fois, différents registres de vérité sont apparemment nécessaires. Et je dirais bien apparemment nécessaires, puisque de fait, on ne peut que constater que on a largement aujourd'hui assez de données scientifiques pour savoir que ça va très mal, et c'est pas ça qui nous fait agir. Il y a toutes les questions évidemment de rapport de force et de, enfin, dont qu'a rapidement évoqué Bertrand, qui sont au centre du problème. Mais par ailleurs, il y a aussi le fait, je pense, que précisément, je repensais par rapport à la question précédente, à mon exemple de la supplication de Svetlana Alexievitch sur Tchernobyl. Ce texte, c'est pas de la science, mais la science n'aurait jamais fait ce texte. Et ce texte, pour moi, est une des choses les plus importantes qui a été faite et qui a été apportée sur Tchernobyl. Donc, c'est, encore une fois, il ne s'agit pas de faire de la compétition entre les uns et les autres. Il me semble au contraire que ce que cette crise écologique remet à nouveau, ce n'est pas la première fois, mais remet encore sur le devant de la scène, c'est précisément qu'il s'agit de, encore une fois, de registres de diversité différents qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Et dont on n'a pas la possibilité aujourd'hui de faire l'économie de l'un d'entre eux, puisqu'apparemment, de fait, il y en a certains qui ne suffisent pas non plus. Et je pense que ça serait vraiment une erreur de faire l'économie, notamment de celui de la fiction. Ce qui ne veut pas dire que c'est le seul, évidemment, auquel on puisse avoir recours. Ça n'aurait pas de sens non plus. Par rapport peut-être à Jean-Pierre Dupuis, puisque vous nous invitez à dire ce qu'on pense de Jean-Pierre Dupuis. Il a écrit c'était hier, hein, dans Le Monde, un petit texte qui résume en fait sa position générale sur la question des catastrophes environnementales. Moi, je n'ai pas d'avis particulier sur Dupuis, si ce n'est qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui emblématise bien la trajectoire actuelle, si vous voulez, de l'attitude générale des intellectuels à l'égard de la science. Jean-Pierre Dupuis est quelqu'un qui, dans toute la première partie de sa carrière, on peut dire, était un positiviste, mais était quelqu'un qui était très lié aux sciences, dans ce qu'elles avaient, dans ce qu'elles portaient de plus novateur. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec les sciences cognitives, des choses comme ça, sur l'utilisation de robotique, des choses comme ça. Et donc, à ce moment-là de sa carrière, Jean-Pierre Dupuis est quelqu'un qui incarne le philosophe de la technique, mais dans la technique. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis progressivement, la catastrophe environnementale devenant, comme disait Bertrand, plutôt un horizon, mais une réalité, il a été pris d'une sorte de panique intellectuelle devant ce nouveau phénomène que son prométhéisme de formation ne lui permettait pas de capter et pas d'y réagir. Et il est passé à une autre forme de réflexion, on peut dire morale, politique, et qui en fait, si on le lit bien, est une réaction de type spirituel, c'est-à-dire que pour lui, le traumatisme environnemental, c'est un traumatisme parce qu'il nous oblige à reposer la question de l'universel. Bon, c'est de là que viennent ces réflexions, la critique qu'il fait du recours aux générations futures. Bon. À mon avis, cette trajectoire-là, hein, d'un rapport très direct à la science, vers une
une réponse de type spirituel à la panique morale et scientifique. Elle à la fois exprime bien quelque chose de plus général que ses propres écrits, et en même temps, à mon avis, elle exprime aussi d'une certaine manière un échec, dans le sens où on peut dire l'aspiration vers le spirituel comme réponse à la crise environnementale obscurcit très largement le genre d'enjeux à la fois politiques, sociaux, mais aussi narratifs qu'elle pose, et de dire le genre de prise au sérieux qu'on peut avoir par rapport à cette crise-là. Bon, voilà, ça c'est enfin, à mon avis, ce qu'on peut dire de l'Empire du Puy. Il nous reste à vous remercier, merci beaucoup pour ce débat, et à vous donner rendez-vous donc le 14 mai pour le prochain débat sur féminisme et écologie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.